Tu choisirais quoi entre avoir 1 000 chèques ou 100 000 chèques? Quand il s'agit de ce qu'on aime, plus il y en a, mieux c'est. C'est pourquoi nous avons revisité le défi des 100 couches. Bon sang, pourquoi Amy met autant de temps? On va rater le film. Amy? Je suis prête dans 5 minutes. Tu m'as déjà dit ça il y a 15 minutes. Pauvre Justin. C'est comme regarder un arbre pousser. En d'autres termes, c'est interminable. Ok, à ce stade, mieux vaut rester ici et commander une pizza. De toute façon, c'est raté pour le film. Oui, mon chéri? Vu que tu nous as fait rater le film, je te lance le défi des 100 couches. Oh non! Je viens de finir de me coiffer! Pour ce défi, Amy devra donc se vaporiser les cheveux de 100 couches de lac. C'est parti! Couche numéro 1. Regarde bien, les choses vont devenir de plus en plus intéressantes. Alors Amy, qu'est-ce que tu ressens d'être celle qui attend sans rien faire? Ça va, tu as bientôt fini? Waouh, ses cheveux ont l'air bien raides. Tu crois qu'il y aura assez de lac dans cette bombe pour aller au bout? C'est dommage, sa coiffure était pourtant très réussie. Et on arrive à la 100e couche. On aura besoin d'un sèche-cheveux si on veut que toute cette laque sèche rapidement. Ça y est, on a fini! Waouh, Amy! On dirait que tu as mis les doigts dans une prise électrique. Tu vois, c'est fou! Tu veux vraiment qu'on sorte comme ça? Oh oui, j'aimerais trop que les gens voient ton nouveau look! Je vais déjà te mettre sur Instagram. Pas question! Je veux sortir d'ici! Ah, la porte est trop étroite! Je vais me glisser à travers. Ah, je vais me prendre un bon bain et me faire un masque. Il n'y en a plus? Allez, il n'y a vraiment plus rien? Oh, salut Amy! J'allais juste retirer mon masque. Pourquoi tu me regardes comme ça? Peu importe. Je sais exactement comment lui apprendre à ne plus jamais toucher à mes affaires. La voie est libre? Je vais faire croire à Justine que mon auto-bronzant est de la crème hydratante. Juste un petit changement d'étiquette et on va bien rire. Et maintenant, tenons-nous prêts? Je dois juste quitter la scène du crime. Alors, voyons voir. Ma peau est toute sèche. Yeah, c'est juste ce qu'il me faut. Oh, Justine, je n'en mettrais pas autant si j'étais toi. C'est le moment du défi des 100 couches, bébé. Je parie que Justine changerait d'avis s'il savait que cette crème est en fait de l'auto-bronzant. Oh là là, mais il va être méconnaissable après. Waouh, ça devient fatigant d'étaler tout ça. Aïe, fais attention à ne pas t'en mettre dans les yeux. Ça n'est pas dangereux au moins de mettre autant de couches de ce truc. On va le savoir assez vite après tout, non? Allez, on y est presque. Il ne reste plus qu'une vingtaine de couches à mettre. Allez, on y est presque. Il ne reste qu'une vingtaine de couches à mettre. C'est bon, on a presque fini. Je me laverais bien les mains si j'étais toi. Ah, j'ai super bien dormi. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec mon masque? Crème auto-bronzante? Eh bien, je crois qu'il y en a un qui va se faire porter pâle au travail aujourd'hui. Waouh, vous êtes super pour cette soirée costumée. Hé, hey, Justin semble vraiment avoir la force avec lui. Yep, ces petits chignons sont vraiment très réussis selon moi. Il ne me reste plus qu'une chose à faire. Tu crois que c'est la bonne couleur? Oh, il y en a encore pour un moment. Je crois que je sais comment rendre ce costume plus intéressant. Chewbacca, sérieux? Je te lance le défi des 100 couches avec ces extensions de cheveux. Non! Et j'étais si proche du déguisement parfait. Bon ben, c'est parti. Messieurs, dames, extension numéro 1. Il suffit de clipper cette barrette et de recommencer avec la suivante. Justin n'a pas précisé de n'utiliser que des extensions d'une même couleur. Après tout, si les poils de Chewbacca ressemblaient aux extensions d'Amy, ça devait lui prendre beaucoup de temps pour se préparer chaque matin. Waouh, regarde toutes ces couleurs! C'est moi où ça commence à prendre de la couleur? Courage, Amy, tu y es presque! Ouf, j'ai mal à la main et je n'ai plus de place pour mettre tous ces trucs. Ok, on peut toujours en mettre un peu plus, n'est-ce pas? Qui aurait cru qu'on pouvait mettre autant d'extensions sur une seule tête?
Waouh, il n'y a vraiment plus de place là. Waouh, regarde-moi cette tête. C'est incroyable. C'est bon, Justin, j'ai terminé ton défi. Et j'ai laissé ressortir mon Chewbacca intérieur. Bravo, tu l'as fait. Il te manque juste une chose. Oh, les fans de Star Wars et leur sabre laser. C'est parti pour la fête. Alors, Justin, ça a été le jogging? Moi, je suis restée là à manger des Oreos. C'est trop bon. Ben moi, mon jus détox a un goût carrément dégueu. Ouah, je n'avais jamais trouvé des Oreos aussi appétissants. Je peux t'en piquer un? Non! Tu suis à régime, t'as oublié? Ça va, je sais. Bon, je vais juste m'asseoir ici et les regarder alors. Allez, personne ne regarde, je peux juste en manger un, non? Oh mon Dieu, ce goût m'avait tellement manqué! Ok meuf, je vais devoir te laisser, salut. C'est un de mes biscuits que tu manges? Ok, c'est effectivement un sourire de coupable ça. Alors, ça te dirait d'en manger 100, hein? Waouh, ça fait beaucoup quand même. Tu es sûre que tu peux le faire, Justin? Attends une seconde. Qu'est-ce que tu fais avec cette crème? T'es au courant que c'est la meilleure partie, hein? Ok, je crois qu'il y a une raison à cette folie. Je crois bien que Justin se fait un sandwich géant à la crème d'Oreo. Regarde-le! Il n'a jamais été aussi concentré de sa vie. Où as-tu appris à découper ces biscuits comme ça? Ouh, regarde comme il a l'air heureux. Vas-y, tu y es presque. Attention à ce qu'il ne tombe pas. Mesdames et messieurs, voici le plus grand Oreo du monde. Et enfin, le petit chapeau. Oui, tu peux être fière de toi. Au fait, tu sais que tu vas devoir manger ce truc, n'est-ce pas? Comment je vais faire pour mettre tout ça dans ma bouche? Quelque chose me dit que je vais me régaler. Oh là là, cette crème, c'est délicieux. Et tu veux que je t'aide? Juste un petit croc, allez. Oh, on dirait que c'est la journée spa chez Amy. Et aujourd'hui, c'est le soin des mains à la paraffine. Hé Amy, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ces trucs sous tes yeux? Et qu'est-ce que tu fais avec tes mains? C'est chelou. Mon doigt ressemble à une bougie. Mon doigt ressemble à une bougie. Tu as complètement ruiné mon instant zen. Eh bien, vu que tu es là, tu vas faire un petit défi des 100 couches. Ah, bien fait. Mais mon doigt, il ne sera plus jamais le même après ça. Tu ferais mieux de t'y mettre pendant que la cire est encore chaude. Oh non, je voulais aller jouer au basket. Mais je crois que je n'ai pas le choix. On va commencer par mettre un peu de crème. Allez, autant en finir avec ce défi. Bah, cette sensation est super bizarre. Et maintenant, un coup d'eau glacée. Ce changement de température me fait tourner la tête. Je n'ai mis que quelques couches et ma main a déjà l'air d'être en plastique, pas vrai? Et tu es loin d'avoir fini, mon grand. Bien que ce soit plutôt étrange, je dois avouer que c'est assez relaxant en fait. Tant mieux si tu aimes ça. Combien de temps je dois encore faire ça? J'ai perdu le compte. Ok, tu n'es pas loin des 100 couches, je crois. Waouh, c'est vraiment ta main, ça? Elle ne ressemble plus à rien. Ok, on arrive aux dernières couches. Je ne peux même plus la rentrer dans la machine. On dirait que ta main pèse une tonne. C'est bon, je peux récupérer mon spa maintenant? Hé, retire ça, ce sont mes bijoux! Non, ça fait partie de moi maintenant. Allez, laisse-moi le garder. Donne-moi ça. Waouh, c'était intense. Serais-tu prêt à relever le défi des 100 couches? Regarde le bêtisier si tu veux voir comment nous avons réalisé ces cascades géniales. Pense à partager cette vidéo avec tes amis. Et n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne YouTube 123Go Challenge pour voir d'autres défis géniaux.